Je m'appelle Victor, je suis en CM2A à l'école Saint-Bernard. Donc vous voulez bien vous représenter? 오늘은 학교 선배도 동네 형 누나도 아닌 고민 해결사로 나선 중학생 멘토들. 이들과 함께 가해자와 피해자가 나란히 자리를 잡으면서 본격적인 상담이 시작됐습니다. Nos règles et vos règles, on va commencer par nos règles. Après, il y a l'impartialité, donc on n'est ni pour l'un ni pour l'autre. Il y a le non-jugement, on doit juger personne, on n'est ni des policiers ni des juges. Et le secret, donc tout ce qui sera dit ici, on n'aura pas le droit de le dire. Vous n'avez pas le droit de vous insulter, pas de violence verbale. Est-ce que vous êtes d'accord pour ces règles? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire cette médiation? Oui. 상담 규칙까지 차근차근 설명해주는 중학생 멘토들. 하지만 과거에는 이 아이들도 학교 폭력의 피해자로 상담 프로그램에 참여했다고 합니다. Ben, du coup, elle m'a frappé, donc j'ai pas voulu ben, la refrapper. Donc on nous a proposé la médiation et ben, on a accepté. Et puis on a pu s'exprimer et puis ça s'est bien passé. J'ai eu des conflits avec des camarades, des insultes aussi, de la violence physique. Et c'est ce qui m'a poussé à venir à la médiation. 오늘 상담해야 할 내용은 운동장에서 일어난 싸움을 중지하는 것인데요. 축구공을 가지고 놀던 한 아이가 친구들로부터 괴롭힘을 당했고 괴롭히는 일이 계속되자 결국 친구들을 때렸다고 합니다. Alors vous étiez donc toi, Jason, Ryan et Hugo, vous étiez en train de jouer au foot. Bah, mon plaqué, c'est quand je courais derrière eux pour reprendre la balle. Et moi, je suis rattrapé et après, je suis tombé par terre, enfin, je ne sais pas trop. Et il est tombé par terre. Ils ont écrasé. Et ils ont commencé à te piquer la balle pour t'embêter. On a pris la balle, on se l'est passé pendant un certain temps. Courait et Victor, derrière, a trébuché. Et il est tombé, puis il s'est énervé et l'autre. Non. 당시 상황을 설명하면서 아이들은 점점 격양되어 가는데요. 이쯤 되면 선생님들이 중재자가 되어 나설만도 하지만 이 자리에서 상담을 이끌어가는 건 전적으로 아이들의 몫입니다. C'est important pour les enfants qui puissent mettre des mots sur ce qui s'est passé ou par des gestes. Donc c'est important pour eux de mettre des mots parce que c'est une manière de rentrer dans un questionnement. 어느새 한 시간을 훌쩍 넘긴 상담 시간. Ah oui, tu lui as fait tomber ses lunettes. Dites, excusez-moi. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de les recentrer sur qu'est-ce qui nous a amené à cette médiation là. 그런데 이때 피해자인 빅토르가 할 말이 있는 듯합니다. Tu veux bien écouter ton camarade, essayer de comprendre ce qu'il vit là. 감정이 북받치듯 갑자기 눈물을 흘리기 시작하는 빅토르. 친구들이 먼저 자신을 괴롭히자 괴롭힘 당하는 것이 싫어서 자신도 모르게 그 친구를 때렸다는데요. Moi, ça m'a assuré que j'avais pas envie de les taper, mais après j'avais de la colère. Dis quand tu es en colère, tu fais. 자신이 무슨 일을 했는지, 그때 어떤 감정이었는지 떠올리며 아이들은 잘못을 깨닫게 되는데요. J'ai pas envie de taper parce qu'après je sais que. Je ne sais pas trop quoi faire. 작은 마찰이 큰 싸움으로 번지기 전에 상담을 하면 아이들 스스로 폭력이 무엇인지 깨닫게 됩니다. Alors, ce qu'on appelle micro-violence sont les bousculades, les brimades, les insultes, les incivilités. Ils